Bonjour et bienvenue pour cette vidéo découverte de Titi Hasselhoffmann, Ride on the Edge. Appuyez sur la touche menu, non c'est pas dans le titre. C'était un Game with Gold, oui, il n'est pas dans le Game Pass, c'était un Game with Gold. Voulez-vous lancer le tutoriel? Allez, pourquoi pas, c'est une découverte. Je sais comment pilote une moto, mais on sait jamais, il y a peut-être différents aspects des fois dans certains jeux. Alors le circuit, je l'ai déjà fait une ou deux fois dans Ride 2, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est le circuit officiel. On change de caméra avec gauche ou droite. C'est bien, on peut revenir en arrière. Appuyez sur RT. Ah, on peut accélérer avec la gâchette comme sur Switch? Ah, trop bien! Ouais. Appuyez sur LT ou bas pour les freins. Alors, je peux pas faire de wheeling. D'accord. Je sais pas si c'est parce que c'est... Maintenez la touche X pour réapparaître au milieu de la route. Aïe! Aïe! Ah, si je laisse appuyer, d'accord. Ok, ouais. Je vois pas tellement l'intérêt vu que de toute façon tu peux pas t'éloigner beaucoup de la route. Hein. Indication de virage en haut de l'écran de la ligne vous montre la route à suivre. Oui, d'accord. Ah, chouette, c'est encore derrière mon truc de stream. Hein. Lorsqu'elle est rouge, faut freiner. Oh la vache! J'ai vu une moto volante. Wouhou! Alors, un concurrent de Ride, non, il a pas grande chance. Hein, parce que Ride, il y a plusieurs circuits, il y a des tonnes de motos. De motos de ville, on va dire, je sais pas comment, des motos de route. Le style de conduite a fait des aides à la conduite sur un niveau supérieur. Ah, ça y est, je peux faire des wheeling. Waouh, la vache! Ah ouais! Pour passer les vitesses. Oh, la violence! La violence, le truc t'accélère à fond. Hop, tu passes la vitesse. C'est de la merde. Ah non, ça c'est pas bien. Bon, je sais bien qu'il faut y aller doucement, mais là, c'est quoi ce truc? Waouh! Ah, c'est parce que j'étais encore en première. Par contre, quel intérêt de me mettre en vitesse manuelle? Alors, je n'y connais rien en moto. S'il y a des trucs réalistes... What the fuck? Je sais pas si c'est réaliste ça, mais bordel, quelle violence! Oui, pour vous pencher en avant ou en arrière, j'ai bien compris. Examiner la course avec cette configuration. What the fuck? C'est incroyable l'accélération, mais c'est n'importe quoi. Oh, wow. Pascal Lacascade, 10G, d'accord. Par contre, vous voulez pas me retirer l'aide à la conduite totalement désactivée, là? C'est un peu trop chaud pour moi, là. Hein. Ça y est, c'est fini? Ça y est, vous me libérez? Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour devenir un grand pilote, oui. Se viander dans chaque virage, oui, c'est pas mal, c'est pas mal.
C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué comme jeu, hein. Bienvenue Quand dans t'as pas Tiki d'aide, Isle la of vache. Man, le jeu officiel du Tourist Trophy de l'île de Man. Voilà, c'est ça le jeu. Solo. Course rapide contre la montre. Alors je vois pas parce que c'est dans ma barre de stream, évidemment. Le retour. Carrière. En mode carrière, on va pour la carrière. Construisez votre propre légende, course après course, et marquez l'histoire sur le célèbre tracé de la Snæfell Mountain Course. Ouais, allez, admettons. On va laisser ça comme ça. Avant de vous lancer, il faut acheter une première moto dans la boutique. Choisissez un constructeur. D'accord. Ouais, il n'y a pas 50 motos. Hein. Alors, Kawasaki ZX6 ou Kawasaki ZX10? Ah, il y a aussi les constructeurs, d'accord. Non, d'accord, il y en a quand même plusieurs. EBR, il n'y en a qu'une. BMW, d'accord. Ok, il y a 4 constructeurs. Ok. Yamaha aussi. Ah non, il y en a plus que ça, d'accord, tu m'as renvoyé au début. D'accord, Yamaha, Triumph, Sutter, Norton, Kawa, Honda, EBR et BMW. Ok, d'accord. C'est un peu mal foutu votre menu. J'ai plutôt envie de prendre Kawa. Par contre, une Kawa qui est pas verte, ça m'emmerde. Et j'ai combien de pognon? 40 000. Et pourquoi vous m'affichez celle qui a 42 000? Bon, allez, peu importe, on va prendre celle-là, on est en découverte. Vous êtes maintenant dans le menu principal. 10G, premier achat, magnifique. L'icône rouge indique que vous avez de nouveaux emails. Rendez-vous dans le menu gestion pour les consulter et accepter de nouveaux événements. D'accord. Vous recevez des propositions d'événements dans votre boîte de réception. Ok. Choix 1. Course de lancement. D'accord. Collection de motos. Ok. Alors par contre, ce que je voulais voir peut-être avant la carrière... Dans le mode course rapide, vous pouvez courir avec combien n'importe y a de quelle moto sur la piste de votre choix et en conditions réelles de course. Et moi, ça fait 3 fois le tour, là. Snæfell. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 courses. Il y a 10 circuits. Ok. Allez, on va commencer la première course. Si je trouve comment on fait. Course de lancement. Retour à l'écran d'accueil. Commencer l'événement. Voilà, c'est un peu merdique votre organisation là au début. Il faut suivre. Hein. Ok. Ah oui, ça a l'air très très chaud comme jeu. Hein. L'interface, ouais, elle est un petit peu merdique. Le gameplay, bah, sans les aides, c'est atroce. Après, peut-être que si t'es un puriste, ça va te plaire, mais si tu débutes, ça va pas te plaire. Parce que alors là, le machin, tu mets la première en accélérant, tu fais un tonneau. D'ailleurs, vous m'avez remis les aides ou pas, là, gameplay? Style de pilotage, peut-être semi-pro. D'accord. Anti-cabrage. Ouais. Alors j'imagine que ça... Si on met ça... Ouais d'accord, ça m'a recréé un truc. J'imagine que si on met séparé en freinage, il faut freiner la roue avant et la roue arrière. Ça commence d'être... D'être assez élevé niveau... Niveau difficulté. Hein. Eh ben allez, on démarre. Ah, tu connais Albator, t'aimes bien ce genre de jeu? Je suis plutôt ride. Bon, alors ne m'en veux pas si je me crache à chaque virage. Hein. Pourtant, les jeux de moto, ça va, je maîtrise à peu près. Mais alors là... Oh là là, mais la caméra, elle rate... Ouh là là! Bon. J'ai déjà tué un pilote. Suivant. C'est curieux la réaction de la caméra et tout ça.
Et alors... Eh mais c'est incroyable, la moto, elle continue de tourner alors que j'arrête. C'est dingue. Ça vibre de fou. Visiblement, j'ai un mec collé au cul. Oh. Oh. Ça pique. Oh la vache, mais vous êtes sérieux? J'arrive pas à voir ce qu'il y a écrit, on va dire option, non c'est classement. Ça c'est option. C'est méga chaud quand même. Hein. Ah oui, c'est bien plus simu, je savais pas. Il me semblait que je l'avais compris, mais alors là, je l'ai senti là. C'est effectivement bien plus simu que arcade. Je sais pas si Ride arrive à avoir le même style de pilotage, on va dire simu. Ah, je suis pas le seul à m'être planté. Ok, on va essayer de pas tomber, mais alors j'ai refoutu toutes les aides, hein, parce que alors là, waouh. C'est quand même coton, la moto elle dérape de fou quoi. Je peux même pas aller derrière? Ah! Ça a touché! Alors c'est bizarre, c'est qu'il y a... j'arrive pas à trouver pour aller derrière. On ne peut pas tourner autour de la moto. Ah bah oui, en plus c'est haut ou bas, c'est pour accélérer ou freiner. What the fuck? Eh mais c'est sévère comme jeu, eh. Je sais pas s'il m'est rentré dedans ou quoi, mais alors... Oh les gamelles que tu te prends dans le jeu. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simu alors que j'ai toutes les aides. Et merde. Et merde. Alors déjà, faut connaître le circuit par cœur et comme c'est un circuit totalement dans la nature, pratiquement... Ah, c'est déjà fini. Quoi, je suis premier? Vous êtes sérieux? Mais je courais contre qui? Des aveugles ou quoi? Vache. Comment j'ai pu être premier là-dedans? DJ nouveau venu. J'ai ride aussi, t'inquiète, je sais qu'il est chaud, je suis tombé un paquet de fois. J'ai mieux optimisé dans le deuxième, moi c'est ce qui me semblait. Ouais, ça a l'air clairement simu parce que là, la moto qui décroche et tout, mais c'est balèze quand même. Hein. Alors, finance. Moins 28 000. Ah, l'achat de moto, d'accord. Ouais, c'est ça, participer. C'est rien. On va dire ça. Allez hop, on va dire ça. Ah oui, il faut que je retourne là-bas pour relancer la course. C'est un peu particulier leur menu. Hein. Certaines aides te posent plus de problèmes qu'elles t'aident. Ah, d'accord. Ça, c'est génial. C'est assez génial, ça, comme idée. MotoGP, c'est comme les jeux de F1, ça me gonfle. Que des courses sur circuit, que une catégorie, pour ainsi dire. Alors, depuis quelques temps, il y a quand même les trois catégories de MotoGP, voire il y a la moto électrique, je crois, je sais plus. Je préfère des motos de route dans Ride.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Albator, de ce premier... Titi Hasselhoffman? Vu que tu connais mieux, t'as forcément plus d'expérience. Là, je fais que le démarrer, donc forcément, je suis en avis négatif, on va dire. C'est trop dur pour moi, et pour le début, là, faut peut-être poncer un peu le jeu. Alors, c'est pas très joli graphiquement, mais c'est surtout un peu triste, hein. Alors là, j'ai des croix rouges partout, mais on peut aller à fond. C'est impressionnant. Oh, la roue arrière qui chasse. Ah, pardon? Mais comment j'ai fait pour tenir sur le côté? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Comment j'ai fait pour tenir sur le côté, là? Faut m'expliquer. J'ai fait un drift à l'envers, quoi. Je vais essayer de me concentrer un petit peu. Oh, trop tard, c'est fini. La concentration est déjà partie. C'est mort. Ah là là, mais il faut tellement connaître le circuit par cœur. C'est même plus du par cœur au niveau quel virage à gauche, quel virage à droite. C'est les bosses, les virages qu'il faut prendre à l'avance ou autre. C'est impressionnant. Puis alors les motos, mais c'est incroyable comment elles tournent pas. C'est pas du tout de l'arcade, hein, clairement. Je sais pas si c'est de la simu, mais c'est pas du tout de l'arcade. Hein. C'est assez atroce, je trouve. Parce que bon, on reste dans un jeu vidéo, c'est difficile d'accès, je trouve. Hein. Pourtant, j'en ai fait quelques-uns de jeux de moto, mais va te faire voir. Mais comment la moto, elle peut drifter comme ça? C'est incroyable! C'est incroyable comment c'est dur! Même avec toutes les aides, je me fais rouler dessus et je me roule dessus tout seul aussi. T'as vraiment pas de sensation de maîtrise malgré que t'aies toutes les aides. Et merde. Ouais, et puis quand tu freines trop tard, c'est mort. Tu peux pas rétablir une fois que t'as freiné trop tard. C'est mort. C'est le mur. Ah ouais, la conduite, elle est méga spéciale. Hein. Mais alors un truc de barge. Les jeux de moto, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait aussi des jeux d'arcade, Drive Club Moto. J'ai fait du PGR4, j'ai fait du Moto GP, je sais plus le combien. J'ai déjà fait du Superbike. J'en ai fait quand même différents jeux de moto. Du Ride 2, Riding Spirit 1 et 2 sur PS2, c'est encore plus vieux. Mais là, c'est totalement autre chose, quoi. T'as beau avoir les aides, tu te fais mais massacrer par le jeu. Et même pour un joueur, on va dire, peut-être expérimenté, enfin, qui s'y connaît en moto, on va dire, peut-être, qui aime la moto, le jeu, il lui marche tellement dessus, c'est pas dit qu'il laisse pas tomber. Hein. Ça dépend qui, hein. À mon avis, il y en a, il laisserait tomber. Hein. Oh, le drift, mais le drift... Ah, la téléportation, d'accord. Ok, d'accord. Ah ouais, il faut vraiment apprendre les circuits. Mais le jeu, il t'aide pas vraiment à les apprendre, quoi. Hein. Oh, je l'ai tenté à fond, il est passé.
Ouais, c'est bizarre, le pilote, on dirait qu'il se couche pas, quoi. On a la sensation qu'elle tourne pas, la moto. Et merde, j'étais en train de les rattraper, vous faites chier. Je les ai vus sur la carte. Et ils doivent être tellement lents. Ah bah non, t'as raison, ça t'inspire pas confiance, parce que si t'es pas un passionné de moto, je pense que tu lâches le jeu. Et regarde-moi ça! Je fais que freiner et légèrement tourner, je frotte une barrière, c'est le décès assuré, quoi. C'est incroyable, tellement il est violent le jeu, mais... Mais alors déjà, les circuits, bon bah forcément, c'est des circuits hyper étroits. Donc la moindre erreur et c'est foutu. Hein. Donc est-ce que le jeu est mauvais? Je sais pas. Mais en tout cas, le jeu est dur. Hein. Le jeu est très très dur. Hein. Il faut pas rechercher un jeu d'arcade que tu prends facilement en main. Non mais tu déconnes. Waouh. Motoracer, j'ai le 4, c'est tout. Et c'est une catastrophe. C'est une honte. Et c'est encore plus une honte d'ailleurs, j'ai envie de le dire, tiens, tant que je suis là. Ils ont fait 3 jeux, ce qu'ont fait Motoracer 4. Motoracer 4, ATV Drift and Tricks, je crois. Ils en ont refait un récemment, la off-road, je sais pas quoi. Et tous ces jeux ont les mêmes circuits dedans. Exactement les mêmes. Et ils ont juste changé les véhicules. Voire ils ont pris les véhicules des 2 précédents jeux et ils ont fait un troisième jeu avec. Ils ont rajouté un autre véhicule à la con. C'est un pur scandale, ce studio. Il te vend ses jeux 3 fois. Et il te les vend au même prix. D'accord. Et tu te dis, tiens, je vais acheter un jeu de quad. Tiens, je vais acheter un jeu de motocross et moto. Bah non, non, en fait, c'est le même jeu. Hein. C'est juste que dans l'un, t'as pas les quads. Hein. Ah, le jeu est très terne, c'est ce que je disais. Il est un peu triste. Hein. Bon, après, on est en Angleterre. Il fait un temps dégueulasse. Ça fait simulation. Hein. On s'y croirait, hein. On s'y croirait, en exagérant le trait. Allez, j'essaie de les rattraper, je les ai vus, hein, mais... Ils sont déjà de nouveau partis? Je les ai vus, ils étaient là. Non? Ah, les points rouges, c'était quoi? C'était pas eux. Par contre, quand je regarde une bande-annonce de Motoracer 4, de Ridge Racer Ride, je vais y arriver, Ride 4, il donne grave envie le jeu. Je sais pas si Albator ça t'intéresse toi. Si t'aimes les jeux de moto, Ride 4, la vache, il a l'air d'envoyer une baffe, mais un truc de balade. Hein. De malade. J'ai l'impression que l'IA elle avance en fonction de moi parce que plus je vais vite, moins je les rattrape. Par contre, plus je fais de la merde, plus je les rattrape. C'est bizarre. C'est un peu curieux leur système là. Alors je commence à retenir un tout petit peu le circuit. Un tout petit peu, hein. Parce que là, ça va être la gamelle. Ouh la vache. Non mais. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais à partir à droite? Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! La moto, elle a continué de partir à droite. Non, non, moi je vais là-bas, je vais me poser. Je vais me poser, j'ai vu un transat, là, c'est bon. Laisse tomber. T'es trop mauvais, je laisse tomber la course. Vas-y, va te manger les murs, vas-y, t'adores ça. T'adores ça. C'est incroyable, vraiment, le gameplay, il est beaucoup trop dur. Il est beaucoup trop spécial. Hein. Moi, ça m'attire absolument pas. Hein. Alors, je crois qu'il a quand même un public, le jeu. Tant mieux, hein. Moi, je m'en tape qu'un jeu marche ou pas, hein. Mais c'est pas ma cam en tout cas. Hein.
Par contre, tu me montres Ride 4, mais regarde-moi ça, comment elle part en drift. C'est incroyable. J'ai toutes les aides, je pars en drift. T'as fini deux fois le 3, ah ouais, carrément. Ah oui, donc t'aimes les jeux de moto, d'accord. Ouais, le 4, il a l'air vraiment classe. Hein. Alors, on sait déjà qu'il y aura un Season Pass, hein, bien entendu. Avec 65 motos, j'ai cru voir tout à l'heure. Vas-y, c'est incroyable, j'ai l'impression de freiner 500 mètres avant et quand je refreine plus tard, bah, ça passe plus quoi, c'est dingue. Non, ne monte pas sur le trottoir, tu vas partir en triple axel, ça ira. Bon, je pense qu'on va finir cette course et on arrêtera là cette vidéo découverte parce que déjà je fais un gameplay immonde et j'accroche pas tellement au jeu, donc ça sert à rien de s'acharner. Mais what the fuck? Non, c'est pas IE Ride. C'est Kiloton aussi, je crois. Hein. Ouais, la vue cockpit, ouais, je vais la foutre. Tiens, de toute façon, j'ai perdu. Foutu pour foutu, hein. Ah, quoique, il y a toujours moyen de faire pire. Les sensations de vitesse, ouais, il paraît qu'elles sont bien. Hein. Elles avaient l'air pas trop mal. Mais bon, ça fait pas tout des sensations de vitesse. Hein. Si t'as un gameplay qui est relativement pas terrible, ou en tout cas difficile d'accès. Ouais, ouais. Sont pas non plus exceptionnelles les sensations, mais bon, ça passe, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Si, c'est quand même pas mal. J'ai vraiment l'impression de me tuer. Oh la vache! Ah, c'est un simulateur de meurtre de pilote, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les vibrations, je sais pas, ça s'entend peut-être dans le micro. Tellement ça vibre, c'est hallucinant, quoi. Et alors, ça te donne vraiment des coups, quoi. C'est violent, quoi. Après, mon micro, il détecte bien, mais... elles sont assez violentes, je trouve. Ah merde, c'est celui-là qui passe pas. Ouais, c'est très 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 dur. Ah ouais, les vibrations s'entendent, merde. Ah mais il capte vraiment trop bien ce micro, hein, c'est chiant. Attends, c'est un micro-cravate que j'ai quasiment au-dessus du col. Hein. Faudrait peut-être que je le remonte un peu parce que j'avais l'impression que c'était trop fort. D'ailleurs, pendant le live Xbox, ça avait l'air d'être beaucoup trop fort ma voix. Elle sature, j'ai l'impression. Dans ce que j'ai entendu dans le replay. Ouais, les sensations sont quand même pas mal, faut avouer. Faut avouer. Par contre, on peut pas regarder à gauche ou à droite, faut se concentrer. Et de toute façon, on peut pas. Je les rattrape. Je fais de la merde et je les rattrape. Normalement, ils auraient dû mettre 3 tours, mais je les rattrape. C'est bizarre quand même, votre truc. Hein.
Puis alors ça s'entend les vibrations parce que j'ai ma batterie de manette là qui tient très mal en place. Et du coup elle vibre dedans et c'est ça qui doit peut-être s'entendre. Oh la vache, mais j'ai l'impression qu'elle tourne de l'arrière quoi. Dingue. Merde, il y a un virage peut-être. Il y a un virage peut-être. Ah, il y a un arbre aussi. Ah oui. Là où il y a un virage, il y a un arbre. Et là où il y a un arbre, bah, je vais dedans. Mais. Bon, bah c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Il y a du style, il y a une idée, mais... Oh là, je suis en train de lécher le mur, là j'ai fait la peinture. J'ai l'impression qu'il me fait freiner quand même 10 fois trop tôt. Hein. Alors t'as vu, maintenant que je roule, je les rattrape plus. Par contre, je tombe 4 fois, mais je les rattrape. Il y a un truc qui va pas dans votre jeu les mecs hein, aussi. L'IA, elle va pas du tout les gars. Hein. Ouf, c'est la fin. Ah. Bon, je vais remonter un peu mon micro pour qu'ils soient un peu moins près de la manette. Ça sera mieux. Ouais, c'est vraiment pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Je sais pas s'il est bon ou pas. Peut-être que le 2 est quand même bien meilleur de ce que j'ai cru en comprendre. Mode replay. Oh oui, ça doit être magnifique. Ça doit être magnifique. Eh bah oui, play, voyons. Masqué. Changer de caméra. Attention, première gamelle dans 3, 2, 1. Non ? Oh merde, je suis en retard. Et voilà, regarde-moi ça le drift. Regarde-moi ça le drift, j'ai poussé. Mais non, mais tu déconnes. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je peux... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas ça que je voulais. C'est ça? Non, ça s'est ralenti. Alors... On va regarder ça parce que c'est absolument magnifique, je trouve. C'est absolument magnifique, c'est ici, je crois. C'est ici, je crois. Je prends mon virage à la perfection. J'ai l'arrière qui commence de chasser, je crois. Oui, ça a l'air de chasser. Oui, oui, ça chasse. Oui. Attention. Je vais retourner la situation. Jusque là, c'est à peu près cohérent, je pense. Par contre, là, faut m'expliquer. Là, faut m'expliquer. Là, faut m'expliquer. Alors, ça va pas m'afficher la bonne caméra, voilà. Voilà, là, faut m'expliquer. Comment c'est possible, ça? J'y connais que dalle en moto, mais là, faut m'expliquer. Ah oui, là aussi, il faut m'expliquer. Voilà. Voilà. Qui dit mieux? Je pense qu'on va arrêter le désastre ici. Parce que là, ça fait trop mal. Ça fait trop mal au cœur. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Hop là! On va en rester là-dessus. Merci de l'avoir regardé. Et à bientôt. Salut!